Mécano. Le mécano est là. Allez hop, feu rouge. Feu rouge devant ma gueule en plus. Mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, Sandra Way Patrol. Restez dans votre véhicule, monsieur. Monsieur, remontez dans votre véhicule. Remontez dans votre véhicule, monsieur. Voilà. Si c'est le 13 pour vous informer d'un... Si c'est le 13 pour vous informer d'un refus d'obtempérer et refus d'obtempérer sur Elginami. Véhicule de type MTL des dépanneurs. Si ça dame 20, on arrive. 17 David, j'arrive sur... On est actuellement sur Elginami, direction sud. J'attends les renforts sur position. Remontez tout de suite dans votre véhicule! Ok, le suspect est dehors. Hein. Le suspect est dehors, j'attends les renforts. 17 David, 1097. Allez-y, chef. Ouais, ouais, c'est bien reçu. Je couvre. Merci. Si ça dame 20, 1097. Monsieur l'agent, je vais vous expliquer, monsieur l'agent. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous êtes pas arrêté, monsieur? Je me suis arrêté, monsieur. Vous avez bien vu. Vous êtes arrêté, vous êtes reparti, monsieur. Bon, pour me mettre en sécurité, monsieur. Là, c'est trop dangereux sur le pont, monsieur. Monsieur, c'est pas vous de décider si vous êtes en sécurité ou pas. C'est moi qui décide si vous êtes en sécurité ou pas, d'accord? En aucun cas, je vous ai donné l'ordre de vous arrêter. Vous êtes arrêté, vous êtes reparti, monsieur. C'est un refus d'obtempérer, d'accord? Donc, du coup. Si vous voulez, monsieur, mais moi, j'étais en urgence, monsieur. Non, monsieur, vous êtes pas en urgence, d'accord? Vous êtes pas un véhicule prioritaire, vous avez pas d'urgence, d'accord? Quand c'est les forces de l'ordre ou quand c'est les pompiers qui demandent, si. Non, monsieur, vous n'êtes pas en urgence, vous n'êtes pas prioritaire, vous n'êtes pas en urgence, d'accord? Vous êtes en intervention, certes, mais vous n'êtes pas prioritaire, d'accord? Et en aucun cas, vous devez vous soustraire à l'autorité d'un officier de police, d'accord? Donc maintenant, monsieur, on va procéder à un contrôle, et croyez-moi, il va être minutieux, le contrôle. Si vous voulez, monsieur, mais moi, en tout cas, j'ai respecté les droits. 13 David, individu neutralisé en état d'arrestation. La poche droite. Très bien. C'est moi, j'ai vu quelqu'un se... Non, monsieur Hawaii Prince. Price, c'est ça? Hawaii Price, monsieur. Hawaii Price, ok. Je vais vous fouiller, monsieur. Vous avez quelque chose de dangereux ou d'illégal à déclarer sur vous? Non, monsieur. C'est fast. Rien, je procède à une fouille. C'est fast, les gars. Attendez, Dinozzo. Laissez-moi finir. D'accord. Contrôle d'identité. Très bien. Allez-y, Dinozzo. Merci. Donc, monsieur, je garde votre carte d'identité pour le moment. Oui, monsieur. Du coup, au niveau des permis, c'est bon? Ouais, il a le permis de conduire et le code de la route. Il faut que je regarde, il faut qu'il me file sa carte d'identité. Là, j'ai juste pris, vous savez, sa carte, mais il n'y a pas tout marqué encore. Il a le permis camion ou pas? Il écrit permis de conduire, il faut que je regarde bien en détail sa carte d'identité qui me la donne. Vous avez vu sa carte d'identité, non? Ouais, mais vous savez, c'est avec le... Monsieur, on va vous démoter, vous allez nous présenter votre permis de conduire, d'accord? Le permis de conduire, je l'ai, monsieur, il est à jour. Monsieur, je vous ai pas demandé si vous avez votre permis, je vous dis qu'on va vérifier votre permis, monsieur, d'accord?
Oui, monsieur l'agent. Ouais. C'est bon, les gars, pour le. Vous pouvez y aller, je vais faire le contrôle. Là, pour la fouille, y'a rien. Ok, très bien, merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, je vais vous démenoter, monsieur. Vous avez montré votre permis, d'accord? Oui, monsieur l'agent. Montrez-moi votre permis, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui l'ai eu. Alors, du coup, si vous pouvez le montrer à moi, s'il vous plaît. Tournez-vous en ma direction, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Il y a un souci, monsieur Price. Tenez, je vous le donne. C'est le 22. Ouais, il y a un gros souci, même. Il y a un souci, c'est que vous n'avez pas le permis, monsieur. Vous n'avez pas le permis poids lourd. Vous n'avez pas le permis poids lourd, monsieur. Alors, monsieur, je vais vous expliquer une chose, bien sûr. Tout simplement, je suis le seul en service par rapport au mécano. Et le problème, c'est que les pompiers m'appellent pour rapport à un camion. Donc, du coup, j'ai pas le choix de sortir un autre camion pour le sortir, pour le débloquer. Monsieur, c'était vous ce matin qui était en service, cet après-midi qui était en service? Je suis en service tous les jours, monsieur. Ouais, du coup, quand je vous ai envoyé un message pour la mise en fourrière d'un avion, vous m'avez répondu quoi? Que je suis pas apte, que je suis pas voilà. En aviation. Voilà. En aviation. Alors pourquoi monsieur vous dites à la police que vous êtes pas apte et pourquoi vous dites pas aux pompiers que vous êtes pas apte? Bah, un camion, c'est mécanique. C'est pas un avion. Monsieur. Ah non, monsieur. Non c'est mais monsieur, logique. Monsieur, c'est non logique, non monsieur. Non monsieur, non c'est pas logique monsieur. Monsieur. Ah, si, monsieur. Monsieur, monsieur. Vous avez besoin pour une intervention, vous avez besoin de prendre un camion qui nécessite un permis. Camion, on est d'accord, un permis poids lourd, on est d'accord jusque là. Eh ben, vous demandez à mon poids monsieur, lourd, donc monsieur, comment on fait pour avoir monsieur, un autre permis? Monsieur, on est d'accord à ce niveau-là. Dans la logique, oui. Dans la logique, oui. Travail, voilà. On n'a pas choix. Dans la logique, oui. Donc on va rester sur dans la logique, oui. Maintenant, monsieur, vous avez une intervention qui nécessite d'avoir ce permis poids lourd. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de apte ou quelqu'un de pas apte si vous n'avez pas ce permis poids lourd? Je suis conforme par rapport aux législations. On va partir sur autre chose, monsieur. De toute façon, moi, la conformité au niveau mécanicien, je m'en fous, monsieur, d'accord? Moi, ce qui compte, c'est le code de la route, c'est le code pénal et le code civil. D'accord? Le reste, ça me regarde pas. Maintenant, je vais vous dire autre chose, monsieur. Par exemple, on va prendre un autre exemple, monsieur. J'ai un agent de police qui n'a pas le droit d'être armé. Il doit intervenir sur un braquage. Donc c'est-à-dire qu'il a pas d'arme. Est-ce que vous pensez qu'il est apte ou pas? Bah oui. Parce que si il va l'intervention, c'est qu'il est apte. Bon monsieur, je pense que vous êtes de mauvaise foi en fait. Donc du coup monsieur, on va procéder à la verbalisation. On va procéder au relevé des infractions suivantes, monsieur. Passage d'un feu rouge, refus d'obtempérer et conduite sans licence, monsieur. D'accord. Refus d'obtempérer, je suis pas trop sûr, monsieur. Vous avez pas parlé dans le micro. De quoi? Le microphone. Vous avez pas parlé dans votre microphone. D'accord, je monsieur. Pas entendu. Non, 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 mais monsieur, en fait, je pense que vous êtes en train de me prendre pour un jambon. Alors, je vais vous expliquer une petite chose. Jambon, quand même. Jambon creux, c'est quand même. Je vais vous expliquer une petite chose, monsieur. Moi, dans mon rapport, il va être marqué saumon l'individu de s'arrêter à l'aide de tous nos moyens sonores et lumineux, monsieur. D'accord. Nos moyens sonores lumineux, et lumineux. Je suis d'accord. Voilà. Ça, voilà, ça ne monsieur, veut pas monsieur, dire monsieur, comment... monsieur, monsieur. Voilà la phrase moi, qui va être marquée. Comment vous voilà. Respecter le code monsieur, de monsieur, monsieur, policier. Monsieur, si on vous a pas appris, on va vous enlever votre permis. Comme ça, vous allez repasser, monsieur, d'accord? Parce que c'est, ça, c'est vu dans le permis. Monsieur, il est bien. Monsieur, oui, monsieur, dans le code de la route, il est bien spécifié une question. Si jamais un véhicule de police arrive, sirène hurlante et gyrophare allumé, que dois-je faire, monsieur? Quelle est la réponse à cette question? À m'arrêter. Voilà. Et j'ai fait quoi, monsieur? J'ai fait quoi au pont? Je me suis arrêté. Monsieur, vous êtes vous arrêté. Vous m'avez dit quoi? Monsieur. Vous m'avez dit de retourner dans le véhicule. Je suis mis dans le véhicule. Et vous avez fait quoi? Est-ce que je vous ai demandé de repartir? Est-ce que je vous ai demandé de repartir, monsieur? Bah, alors. Quel était même pas. Monsieur, vous avez monsieur, pas entendu dans le microphone, monsieur. Donc, automatiquement, monsieur, première, moi, en sécurité. Monsieur. Pour non, non, de sécurité, non, monsieur, me parlez pas de sécurité. Monsieur, monsieur, quand on passe un feu rouge, on ne parle pas de sécurité, d'accord? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Maintenant, je vous explique. Monsieur, je vous explique la chose. Je vous explique la chose, monsieur, clairement et simplement. Je vous ai demandé de vous arrêter à l'aide de mes moyens sonores et lumineux, c'est-à-dire ma sirène et mon gyrophare. Vous êtes arrêté. Vous êtes descendu de votre véhicule. Je vous ai donné l'injonction de remonter dans votre véhicule, monsieur. D'accord? Donc, je suis remonté sur mon véhicule. Voilà. Effectivement. Ensuite, 113, je dois vous laisser d'urgence. Bonne soirée. Ouais, on a entendu. Ouais. Ouais. Bonne soirée. 10-4.
À la suite de ça, monsieur, vous êtes reparti. C'est un bip pompier là, les gars. Il doit y aller. Vous êtes reparti, monsieur. Monsieur, on était dans un endroit dangereux. Monsieur, non, on n'était pas dans un endroit dangereux. Et vous l'avez pas signalé qu'on était dans un monsieur, endroit monsieur, dangereux. Monsieur, moi, je ne suis pas senti en sécurité. Oh, bah, écoute, tout simplement, je écoutez, suis monsieur. Repartir. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de votre jugement par une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de vous en payer un, vous en serez un commis d'office. Monsieur, avez-vous compris les droits que je viens de vous citer? C'est pas noté sur blanc, noir sur blanc, mais je vous ai entendu. Très bien, monsieur. Et j'ai compris. En ayant à l'esprit ces droits, voulez-vous toujours me parler? Bah, quelle était la dernière position connue? Vous êtes un officier, un supérieur en moi, donc oui, j'ai le droit de vous écouter. Donc, monsieur, vous êtes arrêté pour refus de tempérer et conduite sans licence. Quelle était d'accord la dernière position connue de 73? Son véhicule était toujours. Sans licence, vous admettez, oui, je vous le dis. Ah, mais alors je là, le dis pas, monsieur, je le constate, d'accord? Donc, monsieur, votre véhicule va partir en fourrière. Est-ce que vous avez votre chef qui est là? Je suis le seul, monsieur, je suis le seul. Mon patron est parti en vacances depuis 2 semaines. Je vais l'appeler, votre patron, j'ai son numéro. Ça fait 2 semaines qu'il est parti en vacances, donc. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Bowen. Oui. Oui, bonjour. Il faudrait que vous veniez sur Elgin Avenue. Vous voyez, c'est la rue qui va de l'hôpital de Pixbox Hill jusqu'au garage public du centre-ville. Vous voyez ou pas? Oui. Il faudrait que vous veniez pour récupérer un camion parce que là on est en train d'embarquer un de vos agents pour conduite sans permis. Ah bon? Eh oui. D'accord, bah j'arrive. Très bien, on vous attend. Il y a le patron qui arrive pour récupérer le camion. Donc on va l'attendre sagement. Monsieur, on va vous mettre dans le véhicule en attendant qu'il arrive. Ok, pas de souci. Le temps que vous réfléchissez à ce que vous avez fait, monsieur. C'est très bien ce que j'ai fait, monsieur. J'ai pris une décision et je l'assume. À 17 pour 13. On va transmettre. C'est lui qui a démonté le véhicule avec son camion? Négatif. Mais du coup, si tu peux faire une fourrière et puis apparemment il y aura un véhicule en face du. Ah ouais. Ouais, je vais faire une mise en fourrière. Ouais, je te remercie. Bon, allez. Le flic RP qui décale hier en SPV, c'est ça. Non, les gars, on va pas le baffer non plus, c'est pas le but. Ah, bonjour, monsieur Bowen. Ah, vous étiez pas loin visiblement. Bah, en fait, je ramenais mon véhicule à la fourrière. Ah, d'accord. Voilà. Bon, du coup, il faudrait récupérer votre camion. Oui, parce pas que soucis. Je vous explique, votre. Bon, j'y vais, moi. Ouais, ça marche, merci. Votre employé, je l'ai arrêté pour un feu rouge. Oui. Et en fait, il s'est arrêté la première fois, donc pas de soucis et tout, j'avais procédé au contrôle. Et en fait, le temps que je mette mon traffic advisor, il a redémarré et il s'est arrêté seulement ici. Et je l'ai contrôlé au carrefour juste à le deuxième carrefour avant. Vous voyez, ça fait quand même une trotte, quoi. Oui. Donc du coup, voilà. Et en fait, lors du contrôle, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas le permis. Et du coup, voilà. Donc du coup, on l'a interpellé pour refus de tempérer. Ouais, ça vous avez bien fait. Ça lui remettra peut-être hésiter en place. Ouais, c'est à qui la voiture là-bas? Apparemment, il n'y a plus besoin du véhicule d'une mise en fourrière là-bas. C'est à qui là? T'as vu le véhicule SHP qui est passé? Ouais, je crois que c'est le commandeur. Hein. Mais non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est le commandeur. Ah oui, c'est la canine. Ah bah oui, je suis con, c'est la canine. Ah bah oui, je suis con. Bon bah du coup, j'emmène l'individu. 6713, vous informez d'un 10-19 Police Station de Mission Row. Bon, monsieur, vous avez réfléchi à ce que vous avez fait? Je l'ai déjà dit, monsieur, tout à l'heure. J'ai déjà, je sais ce que vous avez besoin. Je prends déjà mes actes. D'une unité avec vous à la Police Station? Ouais, négatif, je pense que ça devrait aller. Vous reconnaissez comment elle est faite, monsieur? Je vais suivre les EMS. Vous mettez dans une bagnole? Ouais, 10-4. Comment? Par rapport à quoi? Vous mettez une bagnole? Excusez-moi, je vous ai pas compris, monsieur, désolé. Par rapport à? Je comprends très bien les actes, je sais ce que j'ai fait et c'est tout. D'accord, donc vous reconnaissez que vous conduisez sans permis alors? Bah, tout simplement, oui, je sais très bien ce que j'ai fait parce que tout simplement j'avais pas le choix.
Je suis seul mécanicien en ville. Et non, donc, du coup, il faut prendre des décisions soi-même pour arriver à prendre des décisions correctes. Et la meilleure solution, c'était que je puisse prendre un camion de rapide secours pour que je puisse libérer la voie pour les médecins s'ils avaient besoin du véhicule. Non, monsieur, vous avez un F-550. Il y a un F-550 qui suffit amplement. Allez-y, monsieur. Prenez un petit F-550, comme vous le dites, avec un gros camion d'ambulancier. Mettez-le dessus. Vous voyez bien que c'est impossible de le mettre dessus. Monsieur, vous pensez dans votre droit et vous pensez que votre travail prévaut sur le code pénal. Donc, il n'y a pas de souci, monsieur. Faites comme si. Il n'y a pas de souci. Comme si de quoi? Bah, faites comme si, monsieur. C'est tout. Faites comme si votre boulot prévalait sur le code pénal. Faites comme si. 13 David pour un 1097, Police Station de Mission Road. Je pense qu'il faut peut-être revoir les haut-parleurs et vos véhicules. Monsieur, faudrait peut-être revoir le permis avant de critiquer, d'accord? Le permis, je l'ai déjà. Vous avez pas le permis qui allait avec le véhicule, monsieur, d'accord? Monsieur, si je vous démenote, est-ce que vous allez me créer des problèmes? Oh, je sais pas, peut-être pas. Mais comme je suis un mec gentil, y a pas de soucis. Oh bah du coup je vous laisse pas les menottes, monsieur. Je vous laisse les menottes, monsieur. Ah donc vous me faites pas confiance? Ah bah non, vous avez dit peut-être pas, donc moi peut-être pas je laisserai les menottes. Oui mais je vous ai dit qu'il y a pas de soucis. Passez la porte, arrêtez-vous monsieur s'il vous plaît. Pas de soucis. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Oh là là, même pas en confiance quoi. Non monsieur, dans confiance y'a con. Oh, d'accord, si vous avez envie de jouer avec des jeux de mots, bah non, vous êtes vachement fortiche, hein. On essaye, monsieur. Vous savez que vous me faites mal, là? Ça tombe bien, monsieur, je suis pas pour faire du bien, vous êtes pas dans un parc d'attractions, monsieur. Voilà monsieur, est-ce que vous avez suffisamment d'eau est-ce que vous avez suffisamment de nourriture et suffisamment d'eau, monsieur? Oui, sergent. Très bien, monsieur. Il va sans dire, monsieur, que vous avez plus de téléphone, hein. Que ça soit bien d'accord. Du coup, monsieur, je vais vous mettre les citations qui correspondent aux infractions relevées. Donc nous avons tout d'abord le... Vous pouvez pas mentir, hein. Du coup, là, nous avons un non-respect du feu rouge, hein, qui est l'infraction préalable. Il était vert, monsieur. Voilà. Je suis désolé, mais il était vert pour moi. Donc, nous avons un refus d'obtempérer aussi, monsieur. Et nous avons aussi une conduite sans permis, monsieur. D'accord? Voilà, monsieur. Donc, du coup, monsieur, vous êtes 10 mois en prison pour le refus d'obtempérer. Donc, on viendra vous chercher à 22h16, monsieur. C'est reçu? Vous avez compris, monsieur? Je vous ai pas entendu. Je vous ai dit, monsieur, vous êtes condamné à 10 mois de prison pour le refus d'obtempérer. Du coup, on viendra vous chercher à 22h16, monsieur. Pas de souci. Bon. A tout à l'heure, monsieur. 6713, individu incarcéré. Il faudrait que quelqu'un vienne le libérer à 22h16. Si jamais j'oublie. 10-4.